Cette vidéo est sponsorisée par CopyTrendsCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touches Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Mission Board Pro pour votre iDevice Jailbreakers LFMware 5.0+. Mission Board Pro, c'est quoi? C'est une application qui est payante sous Studio Store au prix de 3$ et ce qu'elle vous permet de faire, c'est de personnaliser le multitâche de votre iDevice. Alors bien sûr, elle n'est pas compatible avec l'iPad et vous aviez bien vu qu'il y avait un Mission Board avant. Et bien ça, c'est la version Pro du Mission Board. Alors c'est pour ça qu'elle est payante aussi et tout ce que vous avez à faire, c'est l'installer et confirmer après avoir l'acheté. Alors, une fois acheté, il n'y aura pas d'icône sur Spring Board de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages ici, Mission Board Pro. Alors, une fois dedans, vous devez bien sûr l'activer en haut pour que le tweak s'active. Par la suite, dans les settings, vous devez y mettre un mode d'activation. Alors, moi j'ai dit, lorsque j'appuie double sur la barre de statut, je veux que ça l'ouvre le Mission Board. Normalement, quand vous ouvrez le multitâche, vous avez ceci. Donc, vous avez les tweaks qui sont présentement actifs. Fait que Cydia, musique, téléphone, BTSMS et l'application ICAP. Par la suite, si on dit la mode d'activation, on dit je veux l'appui double. Alors si j'enlève tout puis j'appuie double sur la barre de statut, mon Mission Board va s'ouvrir. Alors on voit que j'ai maintenant Cydia, musique, téléphone, BTSMS et l'app ICAP d'ouvert actuellement. Bon, ça on avait ça dans la version normale, c'est pas ça qui est nouveau dans la version Pro. Par contre, on a des nouvelles options qui se sont ajoutées. Par exemple, si on redouble tape ici, le paging. Normalement, je peux aller dans le milieu ici, je peux glisser, puis ça glisse tout seul. Le paging, ce que ça va faire, c'est comme si on avait des pages. Alors, si je le mets à on, puis je réouvre mon Mission Board, eh bien, quand je vais descendre, ça va tout simplement faire comme une page. Vous voyez? Non, ça fait comme des pages dans le multitâche. Alors ça c'est le paging, le badge ça va tout simplement ajouter les badges. Moi je le laisse désactiver. Le replay switcher, ça normalement lorsque vous double tapez en bas sur le bouton button, juste en bas, eh bien ça va juste l'ouvrir comme ceci maintenant. Alors plus besoin d'aller via le mouvement activator qu'on s'est configuré en haut. Si on dit replay switcher, tout ce qu'on a à faire c'est double taper sur le bouton home en bas pour que ça fonctionne. Comme si on ouvrait le multitâche normal. Par la suite, le Always Show Close, juste avant de l'ouvrir, je vais vous montrer comment on peut fermer une application dans ce nouveau multitâche. Alors, si je maintiens une application, il y aura des petits moins qui vont apparaître. J'ai juste à faire un petit moins et l'application va disparaître. Bien sûr, si vous voulez tout le temps, lorsque vous ouvrez votre multitâche, avoir la possibilité de faire les moins, vous mettez ça à on, vous retournez et ils sont tous dans les moins. Fait que je peux faire moins, etc. Fait que ça, c'est l'option qui vient avec Mission Board Pro. Alors moi je vais la mettre à off et par la suite on a juste des petites informations sur le créateur de l'application. Si on s'en va dans la musique puis on a de la musique active, admettons je sais pas moi je mets n'importe quoi là, mettons celle-ci, ben on a une musique qui peut jouer directement sur notre iDevice. Fait que ce qu'on peut faire avec Mission Board Pro ici en se tassant à gauche, eh bien on a la possibilité de contrôler nos musiques. Fait que juste en se tassant à gauche comme ceci, on a la possibilité de faire play, monter, descendre le volume, faire next à la musique, revenir en arrière, puis même il y a l'album qui s'affiche en arrière. Fait que ça c'est un petit avantage, on a le nom de la musique, on a l'artiste, etc. Puis aussi on a la section ici pour le sortir via d'autres sorties audio, fermer ça, puis désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, régler la luminosité, etc. Fait que c'est ça qui apporte de plus la version Pro de Mission Board, c'est ce petit onglet-là à gauche et un petit peu plus d'options directement dans les réglages. Et c'est tout pour l'application pour votre iDevice 5.0+. Alors, pour l'application Mission Board Pro, je donne un total de 4 étoiles. Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce que personnellement, l'application Mission Board Pro est quand même meilleure que son ancienne version Mission Board. Puis, on a maintenant la nouvelle option de se tasser à gauche pour contrôler la musique, ce qui manquait dans l'autre. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 4 étoiles. Vous, cher public, combien d'étoiles vous y mettrez? Juste dans les commentaires. Si c'est sur YouTube seulement, mettez votre note en étoile. Et c'est tout pour l'application pour votre iDevice 5.0+. C'était un tweet quand même pertinent, c'est pour ça que vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, me suivre sur Twitter et aussi aimer la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.